Mes amis, ça fait des années que je le répète et pourtant rien ne s'arrange. La politique urbaine est désastreuse, la pollution augmente, le système scolaire est nul. Enfin, pour résumer, la situation politico-sociale est catastrophique. Alors, une bonne fois pour toutes, je dis non. Ça, c'est du discours. Bien, donc rendez-vous à 19h devant le Parlement de la ville. Ce sera la manifestation du siècle. Yo! Yo! Ouais, ouais, c'est super! Je crois que ouais, super! L'humain vaincra! Bonjour, Greg. Oh! Dis, Greg, on pourrait dîner ensemble ce soir, tu veux bien? Hein? Oui. Chouette! À 19h, au restaurant Pink Dragon, ça te va? Tiens, voilà l'adresse, Greg. Oh! Waouh! À tout à l'heure, oui? Siva, ça fait une heure de retard, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Ouais, c'est pas le genre de Greg d'être en retard. Si les leaders politiques désertent, on n'ira pas loin. Comme tu es beau avec tes cheveux devant les yeux. Ah bon? Greg, tu n'as jamais pensé à être mannequin? Ah bon, et pourquoi tu dis ça, hein? Parce que tu sais, je suis en deuxième année d'études en création de mode et je te trouve méga fashion, hyper tendance. Je fais un défilé pour la fin d'année. Tu veux bien défiler pour moi? Ah bon? Oui, et tu seras l'être parfait, mon cinquième élément. D'accord? Oh. Nous a planté, si c'est ça la révolution. Ouais, c'est pas comme ça qu'on va faire bouger les choses. Est-ce que c'est décevant, la politique de nos jours? Ouais, de vraies langues de bois. Ben alors, Patch, Greg, qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, quoi? On t'a attendu ici, va, quoi? Ouais, c'est quoi ces manières, faire attendre les femmes et la ponctualité? Dans la vie, il y a deux catégories, les gens ordinaires et les hyper tendances. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il pète un câble ou quoi? Si le surdure du cosinus à la puissance 25686 auquel on ajoute 528 grammes de poivre, une pincée de sel et un jaune d'œuf, on obtient... la formule de l'amour. Monsieur Greg Super Green. Monsieur Super Green, dites, vous êtes là? Ah, Sushi, ma fleur d'Asie. Alors comme ça, je suis méga fashion, hyper tendance. Hein? Oh, salut, Petsegovitch, ça jazz, Wadi, j'avais jamais remarqué ta blouse, elle est trop d'avant-garde. Ce biseau dans le col, ça en jette, c'est quoi la matière? Mais c'est du polyester, il me semble. Ouah, le revival des matières, trop fashion mood. Alors, la manif hier soir, ça a été? J'ai pas pu venir. J'avais un rendez-vous. Ah.
c'est donc ça? C'est cette fille qui lui endort le cerveau. Elle lui a tourné la tête. Il n'est plus lui-même. Les femmes sont vraiment des manipulatrices. Et voilà, je le savais. Vous avez entendu, les gars. Elle l'avoue elle-même. Les femmes sont des manipulatrices. Je suis pas fou, c'est bien ce que j'ai entendu, hein, les gars. Il y a erreur. Pas nous. Elle. Enfin, ce qu'on veut dire, c'est que... même s'il a trouvé l'amour, faut pas qu'il en perde son âme, quoi, voilà. Waouh, bébé, est-ce que tu parles bien? Aime-moi comme je t'aime. Laisse-moi perdre mon âme pour toi, amour. On verra ça plus tard. D'abord, faut réveiller l'autre rêveur amoureux. Première étape, Chami, prépare ta voiture. Ok, je vais lui polluer la face au militant écolo, sa mère. Il va réagir, quoi. Oh, ma sushi, ma fleur d'Asie. Avec toi, j'oublie tous mes soucis. Voilà. Yeah! Salut, Chami! L'air est frais ce soir, oh, non? Oh. Ah, ça sent bon, les pétales de rose. Non, mais tu te fiches de moi! Où t'étais? C'est à cette heure-ci que tu rentres? Oh non, mais quelle vie de couple tu me fais endurer! Qu'est-ce que c'était bien quand j'étais célibataire? Oh, ma bébé! Comme tu es belle en colère! Mais purée, c'est pas ça ton texte. Tu dois m'engueuler là, Nigo. L'acteur studio, c'est pas pour toi. Ah, ces jeunes immatures, je te jure. T'es vraiment nul. On devait simuler l'enfer de la vie de couple, enfin. Quoi? Parce que on est un couple. Comment dois-je interpréter ce silence? Il fait bien de briser ces vieux disques vinyles qui craquent et qui se rayent. Tiens, écoute ça, Wood. C'est Sushi qui m'a fait découvrir ce truc. C'est génial. Un mélange de techno-metal-indus néo-punk triomphisé avec un soupçon de néo-funk new-wave-isé. C'est hyper tendance. On brise un disque collector de Nicolas Perrac, son idole, et il trouve ça normal? Ouais, là, c'est grave. Pour mon défilé de mode, je vais te relooker. T'es d'accord, Greg? Oui, Sushi. Vas-y, va, les gars, quoi? Matez-moi ça, quoi! Comme c'est bon de vous voir heureux, les amis. Riez, riez, riez. La vie est une fête. Moi aussi, je suis ravi, je pète le feu. Et tout ça, grâce à mon orchidée, ma fleur d'Asie. Mes amis, je vous présente Sushi, ma pétale de rose. Sushi, voici Baby Doll et Sharon, mes meilleures copines. Bonjour, je suis ravie. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais. Et voici Jimmy, Wood et Chami, mes meilleurs copains. Oui, enchanté. Bonjour. Tenez, les amis, des invitations pour mon premier défilé de mode. Eh oui, je défile pour Sushi. Je suis sa nouvelle égérie. Ouh. Allez, à plus. Faut que je travaille mon D.A.G. Les nuls, aucun caractère, aucune fierté. Ouais, cette meuf leur parle et ils perdent tous leurs moyens. Lamentable. Ne t'inquiète pas, Greg. Tout ira bien. Oui. N'oublie pas, tu ne sors que quand je t'ouvrirai, d'accord? Oh, Siva, c'est quoi ce délire? Il a bien comme Greg, quoi? Et même la coupe de thé, fille plagiat, là! Allez, à toi, Greg, mon cinquième élément. Wow, quelle originalité! Mega over fashion! La démarche, quelle nouveauté! C'est génial! Oh, wow! Je pige le concept!
cinq mannequins. Une création, un look unique, des multipliés, autre délire. Mais qui sait se gringaler à côté de ces jolis garçons? Greg, le milieu de la mode, c'est comme ça. Il y a une certaine modernité. Ouais, tout le monde s'embrasse, ça veut rien dire, c'est tendance. J'ai failli être une fashion victime. Et tu parles d'un cinquième élément. La cinquième roue du carrosse, oui. Celle qui ne sert à rien. Allez, mes amis. Reprenons nos combats sociaux et... Bonjour. Tu viens te promener, Greg? Mais... Et les quatre top modèles, là, ils sont plus grands, plus beaux que moi, plus... plus musclés. Mais ils ne m'ont pas offert de roses. Allez, tu viens te promener? Les filles ont toujours le dernier mot.